Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Monique du Centre de médecine douce. Je suis très très heureuse de vous retrouver. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à saluer toutes les femmes de la Terre, tout ce qu'elles portent en tant que mère, en tant que femme, en tant que responsable, enfin en tant que tout, puisque vous savez, la Terre-mère Mère Gaïa, féminin, c'est aussi la fête de notre planète pour moi aujourd'hui, donc le féminin sacré. Donc à toutes les femmes du monde, passez une belle journée, plein de belles choses dans votre vie, que la force soit toujours avec vous pour porter, avec vous et avec moi, parce que j'en fais partie, pour porter donc notre famille, pour porter nos enfants, pour porter tout ce qu'on doit porter. Dieu sait qu'on porte, hein, et honorons donc notre féminité en tant que femme, parce que c'est un privilège aussi d'être une femme. Ça, c'est très très important, c'est pas une tare. Donc, je vous envoie plein de lumière, plein de belles choses et que cette journée, même si le temps est maussade ici en métropole, qu'elle soit rayonnante pour vous, que votre cœur s'illumine et encore paix, amour, joie, gratitude et beaucoup de force et de bonheur pour nous les femmes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance flash. J'ai pris l'oracle d'Isis. Donc, je demande à Maître Isis de me dire quel est son message en tant que femme, en tant que déesse pour nous les femmes aujourd'hui. Merci. Allez, je tire une carte. Hop, chariot d'ascension, le travail spirituel, l'initié suprême. On a tiré cette carte. Alors, je vais vous la lire. Alors, je vous lis la carte chariot d'ascension, c'est le Merkaba, le travail spirituel de l'initié suprême. Votre âme souhaite être plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot de l'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir. En tant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser. Alors, que signifient exactement ces quelques phrases? Ça veut dire que cette carte-là, comment l'utiliser? C'est de vous mettre dans une bulle, comme vous méditez et vous visualisez que vous transcendez, vous allez vers le haut, hein, en connexion avec notre divin, notre créateur, ou bien vos ancêtres, et vous pouvez aller poser des questions directement, hein, dans ce monde-là, en prenant donc ce chariot. C'est comme si c'était un ascenseur qui peut vous emmener vers, voilà, la divinité là-haut, et ensuite vous revenez sur cette terre pour accomplir votre volonté. Donc, je ne vous lis pas tout de cette carte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que élevez-vous, élevez votre aura, élevez votre vibration et demandez et vous aurez. Le Créateur est avec vous, il vous suffit juste de bien savoir communiquer avec le divin tout en on vous propose donc l'ascenseur pour aller là-haut pour communiquer avec eux. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Encore bonne fête à toutes les femmes du monde. Je vous aime et puis à très vite. Bye bye.